J'ai trouvé un cadeau de Armored Warfare en ouvrant le jeu. Le char PT-76, un char amphibie soviétique. Qui a un canon apparemment avec du explosif. Voilà les caractéristiques qui sont pas très payantes. Ouais, il y a des statistiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais avant de l'emmener en bataille, je vais faire le tour du jeu, des différentes commandes, pour améliorer ma compréhension du jeu. Donc on va commencer par en haut là. Campagne. Alors apparemment c'est des campagnes, hein, donc avec des objectifs à atteindre. Il y en a un certain nombre avec des récompenses. Donc on verra ça plus tard. Alors là il y a des choses à acheter, mais comme je suis sur le serveur danois, je peux rien acheter pour l'instant, donc on verra ça plus tard. Pareil, là un package, un Merkava avec des jours premium. Alors, donc on a vu campagne. Alors là, j'ai des équipages. Alors je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ils se sont débloqués. Enfin, il y en a un débloqué là. Alors apparemment, je peux l'upgrader. Pardon, je vais passer de. Des dog tags, des. Comment ça s'appelle, des médaillons d'identification, dossier. Alors là c'est mon dossier personnel, là, le résumé, 4 batailles, 1000 de rating personnel, les achievements, c'est tous les petits badges que j'ai gagné. Là il y a des rubans, des esquivances, là qui doivent donner du droit à de l'argent ou de l'or, je présume, à un certain moment. Et là il y a mes 3 tanks avec leur performance. Ok. Je crois qu'on a tout vu dans le dossier là. Là, il y a un chat. Vraiment, il y a beaucoup de Russes dans le chat. On peut inviter les amis. Là, c'est on doit pouvoir jouer en équipe, on sait le chat de l'équipe. Ah oui, d'accord. Bon, c'est la même chose. Les réglages. Réglages graphiques. Donc qualité, basse, haute, batterie savings. D'accord, on s'en doute. Batterie savings, il y a un truc important. Si on met l'économie de batterie, on passe à 30 fps, 30 images par seconde. Des commandes, donc on peut choisir retour caméra, mode gaucher, joystick dynamique. D'accord, puis là il y a la configuration de l'écran avec l'emplacement des différentes commandes. Alors, est-ce qu'il y a différentes. Ah oui, français, russe. Donc, tiens, ça date. C'est encore un éditeur russe, apparemment. Visite. Volume. C'est volume de quoi, ça?
un seul volume du jeu. On va le mettre à 80 là, pour les vidéos, ce serait peut-être mieux. Minimap, on, invitation. En partie, d'accord. Alors, un seul profil avec le nom. Les médias sociaux, ok. Support, c'est peut faire au support. Star Trek Calling, je signe une fois, ça. C'est entièrement planté tous mes enregistreurs d'écran et j'étais obligé de redémarrer mon iPad pour que ça marche à nouveau. Donc je ne le conseille pas pour l'instant. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a des currency, des devises. Alors, les pièces peuvent être échangées pour des upgrades, des améliorations. Mais j'ai pas encore gagné assez d'expérience pour pouvoir le faire. D'accord. Alors l'équipage, il n'y a pas d'offre en cours. Package, je l'ai regardé. D'accord, ça c'est le truc à payer. Et premium, c'est pour acheter les jours premium. Avec de l'or apparemment. Mais c'est les devises qu'on retrouve. Ça, c'est de l'or. À différents tarifs. Alors, même si quelque chose ne peut pas s'acheter avec de l'or, vous pouvez probablement échanger l'or pour la ressource désirée. Donc, l'or, ça va permettre de tout acheter. D'accord. Ça, c'est quoi le petit chariot ? Ok, on trouve des packages. Ensuite, les missions. Ah oui, quand c'est les missions qu'on les réussit, on gagne de l'argent et des petites étiquettes là. Là, j'ai rien à gagner. Ça, c'est les campagnes qu'on a déjà vues. Bon, on a fait le tour de ce qu'on peut voir sur l'écran. Maintenant, je vais emmener en bataille le PT-76 pour voir ce qu'il vaut. C'est parti! D'accord, on voit les ennemis. Bon. En 5 secondes. Prepare for battle. Capture bases, destroy all enemies. On y va. Cette fois-ci, il n'y a pas de flèche verte. Alors, la base la plus près, ça a l'air d'être la C. Mon équipe est répartie sur toute la longueur là. Alors, c'est 175 mètres en avance. Il y a une bagarre déjà sur la base B. On voit sur la base B lost. Alors, les B et C sont en l'air. Bon, C est perdu. Base C lost. Voici les adversaires. We lost the lead. BMP, boom. Base B captured. Boom. Base A captured. We've taken the lead. Base C captured. Boom. We are dominating the battlefield. Et moi aussi. Alors maintenant, on a réussi à reprendre les trois bases. Moi, je vais essayer d'aller vers
vers la baie. Base B. Je viens de passer à l'ennemi. Un char ennemi là. Toc. Il est mort, on a deux bases. Toujours la baie à prendre. Un char ennemi qui passe sous le nez là. On regarde pas. Triple kill. Il est presque mort lui. Il y en a dans le coin. Killing spree. Base B captured. Engage! Halfway there! We are crushing them! Are they even trying? Base C lost. Alors, maintenant on a repris la baie. On va aller vers la C. Ah bah j'étais détruit. Donc je devrais renaître. À partir de la base. Voilà. Bah, j'ai l'impression que je suis pas le seul à renaître là. Rebolote pour reprendre la base C. Bien les nuits. Qu'est-ce qu'il fait là? Base A lost. Et voilà, explosé. Ah bah on a perdu toutes les bases là. Ouais, il tire dessus en même temps, j'ai l'impression. Là. Double kill. Et voilà, là, c'est fait démolir. Respawn encore un. Bon là on n'a plus aucune base. On mène encore au point mais pas de beaucoup. On reprend la base B. Elle est à nous. Base B captured. Alors on va aller vers la C. Ah, un char ennemi là. Boum, on échange. Victory is near. Let's crush them. Il est mort. C'est mort. They almost won. Do something. We lost the lead. Base B lost. Et on repart au combat. We are defeated, but not broken. Alors, bah, on a perdu. On a perdu. Bon, bah, là, le jeu était plus dynamique. Hein. Les ennemis se sont mieux défendus. Il y avait peut-être plus de vrais joueurs. Et j'ai l'impression qu'il est plus important de prendre les bases que de détruire des chars à ennemis. Là. Ça sera à confirmer dans de prochains combats. À bientôt.